L'enquête s'intitule « People et politique, petit service entre amis ». Dans son dernier numéro diffusé ce jeudi soir à 23h, l'émission Complément d'enquête sur France 2 s'est intéressée aux liens étroits entre politique et personnes célèbres. Elle s'intéresse notamment au train de vie du couple Macron, lorsqu'Emmanuel Macron était encore ministre de l'économie, relate Lobs, qui a visionné l'émission. En 2016, Emmanuel et Brigitte Macron vivaient encore dans l'appartement de fonction, à Bercy. C'est à cette période qu'ils auraient organisé des dîners mondains avec des célébrités, en citant notamment Lynn Renault, très proche du couple Macron. Elle avait notamment fêté les résultats du premier tour de la présidentielle à la Rotonde à Paris avec eux. Je suis emballée par cette dame, s'enthousiasme Brigitte Macron dans le reportage de France 2, se faisant photographier à ses côtés. Selon Complément d'enquête, les dîners frénétiques dans ce duplex surplombant la Seine, avec vue imprenable sur Paris, auraient coûté 120 000 euros en 8 mois d'argent public. Ces dîners avec des people préparaient déjà l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron, avant la présidentielle de 2017. Mais personne ne le savait encore.